Thank you.
va sing it together. On va chanter ça ensemble. To lay our burden. De donner sur l'autel et nous on partait que le Seigneur va faire un miracle avec le fardeau qu'on lui a donné. To leave the burden at the altar and leave and just give it to the hand of God. En même temps, on chantait la chanson que Dieu va créer un chemin. At the same time, we're singing a song where God's gonna create a way, made a way. Moi aussi, j'ai avancé avec beaucoup de fardeaux. And I was living my life with a lot of burden. Une
de femme 2, c'était le visa de mon mari. And one of my brothers was the visa of my husband. Ça faisait 2 ans qu'on attendait ce visa. It's been 2 years we've been waiting for that visa. Plus de 3 fois, on l'avait refusé. We asked 3 times and 3 times it was denied. Mais le lundi, quand on a commencé la semaine, but last Monday, when we started the week, j'ai eu la nouvelle qu'on lui a accordé le visa pour venir. They told me that the visa was... And I'm thankful to God because He hears our prayers. Et je vous remercie aussi que vous m'avez soutenu dans vos prières avec mon moment d'encouragement. And I say thank to all of you because you encouraged me with the words of encouragement. Et ce lundi quand je venais à l'église pour sortir les poubelles. So this Monday when I came to church to take out the trash. J'attendais une voix qui me dit, Lydie, vous venez souvent à l'hôtel apporter vos fardeaux et vous partez. So I heard a voice telling me, Lydie, you always come to the altar, bring your burden, and then you leave. Hier, tu es venu, tu as mis l'une des fardeaux sur l'hôtel. Yesterday you came and you laid your burden on the altar, one of your burden on the altar. Maintenant, tu as la chance que le fardeau, le Seigneur, il a fait un miracle. But now you know you have the chance to have a miracle. God granted you a miracle. Alors pourquoi tu n'entrais pas déposer quelque chose en échange de ton fardeau? Why don't you come back and give something because I give you a miracle? J'avais dans ma tête, je me disais, le Seigneur, je t'ai loué, je vais témoigner. But in my heart, I was telling God, I praise you, I'm going to testify. Et mais la voix, elle était très longue, beaucoup dans mes oreilles. And this voice keep on talking to me in my ears. Alors je me suis dit, même si dans cette église, on n'a pas d'habitude de déposer une offrande sur l'autel, mais je vais le faire. Even though it's not a custom in this church to lay offering in the altar, I'm still gonna do it. Alors j'ai pris l'enveloppe et j'avais ce que j'avais dans mon sac. So I took some money from my bag. J'ai déposé là où j'avais déposé mon fardeau. And I lay at the same place I gave my burden the day before. J'ai dit, Seigneur, voilà mon louange et mon offrande parce que tu as entendu mes prières. And I say, here my offering is my praise because you hear my prayers. Et je vous encourage à vous aussi si on donne au Seigneur. And I'm going to avec les louanges et d'adoration des valeurs. When you lay your burden together and when you respond to you, like bring also an offering of praise to God. May God bless you all. Psalms chapter 31, verse 1. The Bible says, in thee, O Lord, do I put my trust. Let me never be ashamed and deliver me in your righteousness. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Bow down your ear to me, deliver me speedily. Be thou my strong rock for a house of defense to save me. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Verse 3 together. Verset 3 tous ensemble. We practiced it last week. On l'a exercé la semaine passée. In English. En anglais. For thou art my rock and my fortress, therefore from my sin take me and hide me. Let's do it together in French. Nous faisons tous ensemble en français. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Amen. You are my rock and my fortress, for your name's sake, lead me and guide me. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. If you wonder why there's a GPS on the platform, si vous demandez pourquoi il y a un GPS sur l'estrade, it is because we are in part 2 of our series GPS. Parce que nous sommes dans la partie 2 de notre série GPS. What is a GPS? Qu'est-ce qu'un GPS? A God's positioning system. Le positionnement de Dieu. God has a positioning system. Parce que Dieu a un système de positionnement. Which is accurate. Qui est précis. And it never fails. Et qui n'échoue jamais. Amen. Put your Bibles down. Mettez vos Bibles de côté. Let's pray together. Et prions tous ensemble. Hallelujah. Lord Jesus, we thank you, God. Speak to us. Minister to us, Lord of grace. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord, that you are so present. Move in us, through us, with us, Lord. Bind us all together in one accord. You will mind you, Lord. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. In the name of the Lord. In the name of the Lord.
Hallelujah. Amen. Before you see it, tell two people. Avant de vous asseoir, dites à deux personnes. Ask him a question. Posez-lui la question. Are you ready? Es-tu prêt? To be challenged. À être mis au défi. Mis au défi. Are you ready to open up your mind? Es-tu prêt à élargir tes pensées? Tell somebody else. Dites à quelqu'un d'autre. Tell somebody else. Dites à quelqu'un d'autre. God has a destiny for you. Dieu a une destinée pour toi. Tell somebody. God has a plan and a destiny for you. Dites à quelqu'un, Dieu a un plan et une destinée pour toi. Preach it to some. Why is half of the church sitting now? Pourquoi la moitié de l'église est assise? Tell somebody. Dites à quelqu'un. God has a plan for you. Dieu a un plan pour toi. Amen. Clap your hands unto the Lord. Now you may be seated. Maintenant vous pouvez vous asseoir. Amen. Don't get me upset. Ne m'énervez pas. I'm joking. God has a GPS system. Donc Dieu a un système de positionnement. A God positioning system. Et donc le système de positionnement de Dieu. David cried out to God in Psalm 31. Et donc David s'est crié vers Dieu dans le psaume 31. And he said, Lord, you are my rock and you are my fortress. En disant, Seigneur, tu es mon rocher et mon refuge. Because of your name's sake. À cause de ton nom. Please lead me. Seigneur, s'il te plaît, guide-moi. Please guide me. Guide-moi. It is the will of God to lead you. C'est la volonté de Dieu qu'il nous conduise quelque part. Did you know that? Saviez-vous cela? It's the will of God to lead you and to guide you. C'est la volonté de Dieu qu'il nous guide et qu'il nous dirige. Our God is love. Notre Dieu est amour. Tell yourself, my God is love. Dites-le à vous-même, mon Dieu est amour. And love manifests itself by leading. Et l'amour se manifeste en nous guidant. He wants to lead his people to where they need to go. Et il veut diriger son peuple là où il doit aller. Everywhere in the Bible we find people that are seeking God. Donc partout dans la Bible nous voyons un peuple qui cherche Dieu. And God would answer them. Et Dieu leur répond. God would give them direction. Dieu va leur donner une direction. It is not God's will. Ce n'est pas la volonté de Dieu. For you to be confused. Pour que nous soyons confus. And uncertain where you need to go in life. Et incertain de notre direction dans la vie. Is everybody hearing me clearly? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Yeah. Is the sound pleasant in your ear? Est-ce que le son vous plaît? Okay, it's a new thing. C'est quelque chose de nouveau. It is not God's will for you to wander around. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous vous promeniez un peu partout. Where do I need to go? Où dois-je me rendre? What do I need to do? Que dois-je faire? What's my next step? Quelle est ma prochaine étape? God is interested in leading you. Parce que Dieu, son intérêt, elle se trouve dans le fait de vous diriger, de vous guider. When you get filled with the Holy Ghost, lorsque vous êtes rempli de l'Esprit, you receive an integrated GPS system. Vous recevez un système intégré de GPS. It's not a tom-tom. Ce n'est pas un tom-tom, la marque. But it's called Jesus. Mais ça s'appelle Jésus. When you receive the Holy Ghost, lorsque vous recevez l'Esprit Saint, you get an integrated GPS system in your life. Vous recevez également un GPS dans votre vie. That will tell you where to go. Qui vous dira où vous rendre. When to turn left. Quand tourner à gauche. When to turn right. Quand tourner à droite. There's a voice. Il y a une voix. Like we heard with Sister Lily. Comme nous avons entendu avec Sœur Lily. That will tell you what to do. Qui vous dira quoi faire. Tell you where to go. Où aller. It is the voice of the Spirit of God. C'est la voix de l'Esprit de Dieu. Romans 8:14 says. Nous dit. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. So if you are a son of God, donc si vous êtes un fils de Dieu, you are led by the Spirit of God. Vous êtes également conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. How do I become a son of God? Comment puis-je devenir un fils de Dieu? John 1:12. Jean 1:12. As many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Have you received Jesus? As-tu reçu Jésus? Yes or no? Yes. You know. Do you believe in his name? Yes. Yes. If you say yes, that means that you have become a son of God. Si tu dis oui, cela signifie que tu es devenu un fils de Dieu. God gives you the power to become a son. Dieu te donne la puissance.
We know that it speaks of the infilling of the Holy Ghost. Et cela parle de le fait que l'Esprit nous remplisse. When that happens, et quand cela se produit, I can become led by the Spirit of God. Alors je peux être conduit par l'Esprit de Dieu. If I am a son of God, et je suis un fils de Dieu, I am led by the Spirit of God. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. John 16 says that the Spirit of truth will guide us into all truth. Jean 16 nous dit que l'Esprit de vérité va nous guider vers la vérité. Croyez-vous cela? You may say, you know, Pastor, I don't really feel it. Mais peut-être vous pouvez dire, Pasteur, je ne le sens pas vraiment. I don't really feel led by God. Je ne me sens pas vraiment guidé par Dieu. I don't feel like God is leading me or giving me direction. Je ne sens pas que Dieu me dirige ou me donne une certaine direction. I don't feel like I have a purpose or a plan in my life. Je ne sens pas que j'ai un but ou un plan établi pour ma vie. This is where I'm going to challenge you. Et c'est là que je vais vous mettre au défi. This is where we got to stretch our concept. Et c'est là que nous devons étendre notre concept, notre façon de penser. It's not about what you feel. Ce n'est pas à propos de ce que tu ressens. It's about what you know. Mais c'est de ce que tu sais. We must exalt the word above our feelings. Nous devons exalter la parole au-dessus de tout sentiment. You must shift your thinking process. Nous devons changer notre manière de penser. Your feelings, tes sentiments, will cheat on you. Vous tromperont. The way you feel, la manière que vous ressentez, ce que vous will ressentez, cheat you. Va vous tromper. Will put you into disbelief. Va vous mettre dans la confusion. Will put lie in your heart. Mettra du mensonge dans votre cœur. Because if I always respond on how I feel, si je ne réponds pas toujours à comment je ce que je ressens, if I walk by my feelings, si je marche avec mes sentiments, I would be a miserable person. Je serai une personne misérable. And I would be continually operating in the flesh. Et j'opérerais continuellement dans la chair. It's not about what I feel, it's about what I believe. Ce n'est pas sur mes sentiments, mais c'est sur mes croyances. Amen. Amen. It's all about what you have faith for. C'est tout ce en quoi vous croyez. My feelings say I don't feel led by God. Mais mes sentiments me disent je ne me sens pas dirigé par Dieu. The word of God says. Mais la parole de Dieu me dit. If I'm a son of God, I am led by the Spirit of God. Si je suis un fils de Dieu, je suis dirigé par l'Esprit de Dieu. What has the highest authority? Qui a l'autorité suprême? Your emotions? Vos émotions, or the word of God. La parole de Dieu. The word of God. La parole de Dieu. We have to put our faith in the word of God. Nous devons mettre notre foi dans la parole de Dieu. And not be led by how we feel. Et non être dirigé par nos propres sentiments. The moment you deny those feelings, et au moment où vous reniez ces sentiments, you open up a door to faith. Vous ouvrez une porte à la foi. The moment you say, God, I do not listen to what I feel. Au moment où vous dites, Seigneur, je n'écoute plus mes sentiments. But I put my trust in what I know. Mais je mets ma confiance en ce que je sais. And your word says that you will lead me. Et la parole dit que tu vas me guider. Your word says the step of a righteous man are ordered of the Lord. La parole dit que les pas d'un homme juste sont ordonnés par le Seigneur. I'm going to believe that. Je vais le croire. And I'm not just going to wander around and wait till there is some voice that tells me go. Et je vais pas me promener un peu partout en attendant qu'une voix me dise pas. I'm going to start walking by faith. Je vais commencer à marcher par la foi. Let's take that decision in faith. Je vais prendre cette décision par la foi. I'm going to do that in faith. Je vais le faire par la foi. If you close the door, close it, I'll go somewhere else. Seigneur, si tu fermes la porte, ferme-la, je vais marcher. If you open the door, I'll walk in it. Si tu ouvres la porte, je traverse. You got to stop calculating your life. Vous devez arrêter de calculer votre vie. Because your life does not belong to you. Parce que votre vie ne vous appartient pas. It belongs to him. Et lui appartient. Let him calculate. Mais laissez-le lui calculer. And if you make an error, et si vous faites une erreur, the GPS will say we calculate. Le GPS va dire on recalcule. Cela fera en sorte que vous puissiez être dirigé là où vous devez être. But we have put ourselves in chains. Mais nous nous sommes enchaînés. Because we try to calculate every step. Parce que nous essayons de calculer chaque étape, chaque pas. Walk. Marche. Go. Va. You remember Moses and the Dead Sea? Vous rappelez de Moïse et la mer morte? And the army of the Egyptians was behind them. Et les Égyptiens qui étaient derrière eux. It's the Red Sea, by the way, not the Dead Sea. I'm sorry. And the Egyptians were behind them. Et les Égyptiens se trouvaient derrière eux. And there was one rock there, and there was another rock there, and there was a sea in front of Moses. Donc un rocher de chaque côté et la mer qui se trouvait en face de Moïse. Moses said, "Let's wait on the Lord." Et Moïse a dit, attendons le Seigneur. God never said wait. Mais Dieu ne leur a jamais dit d'attendre. God says, "I'm going to take you to the promised land." Dieu leur a dit, je vais vous emmener dans la terre promise. Amen. So God, Moses started to complain and said, God, we're waiting on you. Et Moïse a commencé à se plaindre en disant, Seigneur, nous t'attendons. You know what God said? Vous savez ce que Dieu a fait? Get up and go. Il lui a dit, lève-toi, vas-y. Just walk. Marche simplement. Walk by faith. I'll take care of the Red Sea. Marche par la foi et je prendrai soin de la mer. Just walking. Juste commence à marcher. Don't wait for the Egyptians. N'attends pas parce que sinon les Égyptiens.
Égyptiens te tueront. With your eyes, you see the Red Sea. Avec tes yeux, tu vois la mer rouge. I'll take care of the impossible. Laisse-moi prendre soin de l'impossible. You gotta start walking. Toi, marche simplement. Amen. There are impossibilities in your life. Il y a des impossibilités dans votre vie. You try to calculate how you're gonna get over it. Et vous essayez de calculer comment vous allez surmonter. Just walk. Mais marche. Leave the impossibility to God. Laisse l'impossibilité à Dieu. We must exalt the word above our feelings. Nous devons exalter la parole au-dessus de nos sentiments. Put your trust in God's word. Mettez votre confiance dans la parole de Dieu. In His GPS. Dans son GPS à lui. Amen. I'm trying not to preach. I'll do my best to teach. J'essaie de ne pas prêcher, mais j'essaie d'enseigner. Position speaks of two things. Et donc le positionnement nous amène à deux choses. Tell your neighbor two things. Deux choses. Dites-le à votre voisin. Amen. Pay attention. Soyez attentif. Number one, position speaks of where I am. Donc la position nous parle de là où on se trouve. And where I'm going. Et là où je me rends. Right? In the literal sense, my position, where I am, where I'm going. Donc la sens littéral, là où je me trouve, là où je suis et là où je vais. You're going somewhere. Tu vas quelque part. You must be going somewhere. Tu dois aller quelque part. Amen? Amen. The position also speaks of something else. Mais la position nous parle aussi de quelque chose d'autre. It speaks about who you are. Mais cela aussi dit qui tu es. What is my position in Christ? Quelle est ma position en Christ? I've asked some of you this week, you probably heard my question. Who are you in Christ? Certains d'entre vous, je vous ai peut-être posé la question en vous demandant qui es-tu en Christ? And some of them were looking like, what? Et d'autres vous m'ont regardé bizarrement en disant, who I am in Christ? Qui suis-je en Christ? It's important we understand our position in Christ. C'est important de comprendre notre positionnement en Christ. And that's what I want to deal today. Et c'est ça avec quoi je veux faire face aujourd'hui. Who I am in Christ? Qui suis-je en Christ? And how that understanding will change me. Et comment la compréhension va-t-elle me changer? Okay, so I'm going to explain to you who you are in Christ. Je vais vous expliquer qui vous êtes en Christ. And not in a macho stereotype way, you are a conqueror in Christ, and yeah, let's take over the world. Et je vais pas dire comme les machos ou comme un conquérant ou quoi, mais je vais de manière spirituelle. Nothing can touch you, and everything you want is yours because you are in Christ. Non, rien ne peut te toucher, et tout ce que tu veux est à toi parce que tu es en Christ. That's not what I'm going to talk about. Ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. I'm talking about how the gospel puts you in Christ. Et je vais parler de la parole de Dieu là où elle nous met en Christ. Amen. I'm ready to receive it in Jesus' name. Soyez prêts pour le recevoir au nom de Jésus. First question: how do I need to position myself? Comment dois-je me positionner? C'est la première question. How do I need to position myself? Posez-vous la question: comment dois-je me positionner? Amen. Now this is going to take some time, a couple of weeks, but we're going to get through it. It's so important. Ça va prendre plusieurs semaines, mais nous allons y arriver. From what position do I face life? De quelle position je fais face à la vie. If you want to take notes, take it. Si vous voulez prendre des notes, allez-y. You want to take a copy of the message, please do so. It will help you. Si vous voulez prendre une copie du message, nous vous aiderons à le faire. From what position do I look at all the things that are happening in my life? De quelle position ou perspective je regarde les choses de ma vie? All the obstacles and all the blessings that come in my life. Tous les obstacles et les bénédictions qui viennent dans ma vie. What is my position? Quelle est ma position? There are two positions you can take. Il y a deux positions que nous pouvons prendre. Number one. La numéro une. The position of warfare. La position du combat spirituel. Everybody say warfare. Et nous on dit combat spirituel. Combat spirituel. On aime bien ce mot. We love that word. Oh, hey, combat spirituel. Warfare. Faisons la guerre spirituelle. Let's go in the warfare. Prenons notre épée et notre bouclier. And our shield. Mettons-nous sur les genoux. Let's go on our knees. Et donnez un œil noir au diable. Let's give a black eye to the devil. Faisons un peu de combat spirituel. Let's have a little warfare. La plupart des chrétiens. Most of the Christians. Vive la vie de la position du combat spirituel. Live the life in the position of warfare. Et aucune idée pourquoi je commence toujours en français, mais. I have no idea why I always start in French. It's a position of defense. C'est une position de défense. Everything in life. Toute chose dans la vie. Is struggle. C'est une lutte. Is fighting. C'est le combat. Is resisting. C'est résister, la résistance. It is struggling. C'est le combat. It is warfare. C'est le combat spirituel. Tu parles avec ces gens. You talk with people. Et tu dis comment tu vas. And you told them, you ask them how are you doing. Et la première chose. And the first thing that they go. Ah, c'est un combat. Oh, it's a fight. Ah, c'était un combat cette semaine. Oh, it was a fight, it was a struggle for me this week. Oh, le diable est derrière moi. The devil is behind me. Ah, mais Dieu est bon. But God
God is good. Dieu est bon. God is good. Mais c'est un combat. But it's a struggle. Do you recognize yourself in that? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? It's the position of warfare. C'est la position du combat spirituel. Every day. Your mind is bombarded with thoughts of negativity. Vos pensées sont bombardées de mauvaises pensées, pensées négatives. Des voix qui disent tu vas jamais réussir. Voice telling you you're never gonna succeed. Tu vas jamais y arriver. You're never gonna make it. Tous les jours. Every day. Tu te sens comme un échec. You feel like a failure. Tu veux faire et accomplir quelque chose. You're accomplishing do some stuff. Mais tu n'as jamais le succès. But you don't never succeed in it. Tu commences. You start something. Mais tu n'achèves jamais. But you never finish it. And so it's a struggle. Donc c'est un combat. And when I say this, all of you are going, yeah, that's my life. Alors que je suis en train de l'enseigner, chacun rouvre, oui, ça c'est ma vie. And that's why we're not breaking through. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas de percée. Because that's not how your life should be. Parce que ce n'est pas comme ça que notre vie devrait être menée. That's not what the gospel promises for our life. Et ce n'est pas ce que l'évangile nous promet pour nos vies. Every day you feel like you need to fight to stay safe. Parce que chaque jour vous sentez que vous devez combattre pour rester sauvé. I'm trying to stretch our mind in this. Et j'essaie d'élargir nos pensées dans ce. The Lord is doing it with me. Le Seigneur le fait également avec moi. He is trying to change my perspective on things, and I'm letting him change it. Il essaye de changer ma vision que j'ai des choses. But I've come to the conclusion that I have some very traditional ideas about God. Et je me suis rendu compte que j'avais des idées très traditionnelles sur Dieu. My position of warfare says that every day. Ma position dans le combat spirituel me dit que chaque jour. I need to feel like I need to earn God's favor in my life. Je dois sentir que je dois gagner la grâce de Dieu dans ma vie. And when something bad happens, et quand quelque chose de mal se produit, God is punishing me. C'est comme si Dieu me punissait. Because I did something wrong. Parce que j'ai fait quelque chose de mal. Maybe I didn't pray enough. Maybe I didn't believe enough. Maybe. Peut-être que je n'ai pas prié assez. Peut-être que je n'ai pas cru assez. Peut-être. And so what happens is that you have no true, lasting rest and peace. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous ne vous reposez jamais vraiment. Les gens qui vivent leur vie du combat spirituel n'ont jamais de paix. The people that live their life in the war, they never have peace. Parce que c'est une guerre. Because it's always a war. Et les églises ont nourri cette attitude. And the churches fed this the behavior. En prêchant tout le temps sur le diable. By preaching all the time about the devil. Right. Au point où magnifie la puissance du diable. To a certain point that we finish by even worshiping the devil. Et on croit que c'est la foi le combat spirituel, mais c'est plutôt la crainte. But we think that the warfare is faith, but at the end it's fear. La crainte que quelque chose, si quelque chose va se passer, je dois assez prier, sinon. Fear of if something happens, I have to fight or pray, otherwise something gonna happen to me. It's always a fight. C'est toujours un combat. Do you know people like that? Connaissez-vous des gens comme cela? I know people like that. Moi, j'en connais. If you're not fighting for yourself, si tu te bats pas pour toi-même, the devil will just he will have you. Il va t'avoir. You're fighting spirits. Tu combats les esprits. When something goes bad, it's the enemy. Quand quelque chose se passe mal, c'est l'ennemi. When it rains outside, c'est le diable. Quand il pleut, c'est the devil. Quand il neige. When it's snow, c'est le diable. It's the devil. Quand tu as une dispute sur le travail, elle a le diable. When it's a fight, you have a fight with a coworker, you say the devil is inside of you. Quand ton chef te donne une attitude, il a un mauvais esprit. When your boss is giving you a bad attitude, talking about you, he has a bad spirit inside of him. Quand ton mari se fâche, when your husband is getting upset, oh, il est rempli du diable. Oh, it's full of the devil inside of him. Ma maison est remplie du diable. My house is full of devils. Je dois le bénir avec de l'huile. I have to bless my house with oil. Combat, combat, a fight, combat, a fight, combat, a fight, combat, a fight, combat, a fight. Je me combats pour ma bénédiction. I fight for my blessing. Je me combats pour mon salut. I fight myself for my salvation. Je me combats pour ma paix. I fight myself for peace. How can you ever have peace like that? Comment pouvez-vous imaginer avoir de la paix comme cela? It's deception of the devil. C'est la tromperie que le diable essaye de mettre en nous. You're fighting the wrong fight. En combattant le mauvais combat. So what do we do? Que faisons-nous alors? We live in a constant battle to survive and to gain some territory. Nous vivons dans un combat perpétuel dans le fait de gagner du territoire. Je fais deux pas. Two steps. Mais parce que c'est un combat. Only because it's a fight. Je perds trois. I lose three steps.
je fais deux en avance. And I go, I move forward. Parce que c'est un combat. But because it's a fight, I always lose. And I, but three step backward. Tu te reconnais dans ça? Do you recognize yourself in that? Ça ne t'avance pas. This not bring you forward. Est-ce que ça t'avance? This does bring you forward. Tu sais pourquoi ça t'avance pas? Do you know why you don't move forward? Parce que c'est pas l'évangile. Because it's not from the gospel. Ça n'a aucune puissance. That doesn't have power. Cette manière de vivre. That way of living. N'est pas la vie pour que Jésus est mort à la croix. It's not the way of living that Jesus went on the cross for. Mais on est tellement habitué à ça. But we're so used to that type of thing. Chaque église qui s'ouvre. Every church that opens. Faut avoir un ministère de délivrance. Oh, we need a ministry of deliverance. Faut avoir une veillée de prière pour le combat spirituel, sinon. We need an all-night prayer for the warfare, otherwise. Combat spirituel. Warfare. Raconte-moi ta vie. Let me tell you. Tell me a little bit about your life. Papa, pas deux semaines. Dans ton enfance, qu'est-ce qui s'est passé? What happened when you were a child? Ah, il y a encore des racines là-bas. There is also roots inside of you. On va enlever tout ça. You have to take out all those roots. Tu vas cracher dans un soin. You have to spit in something. Que tout cette blessure du passé. Because all the wounds of the past have to go out. Et qu'est-ce qu'on fait? And what happened? It may sound funny, but it is very sad, and I'll be very serious. Ça me rend, drôle, mais c'est très, ça me rend très triste et c'est très sérieux. This is a deception that's going on. C'est la tromperie qui se produit. What happens is we become dependent of fear. Et ce qui fait, c'est que nous devenons dépendants de la peur. And we never walk in faith. Et nous ne marchons jamais dans la foi. We walk in fear. Vous marchez dans la peur. Fear says you need a preacher, a man of God that can help you, otherwise you will be defeated. La peur vous dit vous avez besoin d'un prédicateur, un homme de Dieu qui peut vous aider, ou sinon vous serez abattu. Faith says I am complete in Christ. Mais la foi nous dit je suis complet en Christ, je suis entier en Christ. Faith says that when I'm baptized in Jesus' name. La foi nous dit lorsque je suis baptisé au nom de Jésus Christ. Every curse. Toute malédiction. Everything of the past. Toutes les choses qui se sont produites dans le passé. Every generational curse. Toutes les malédictions de génération en génération. Are destroyed. Ont été détruites. We try to manipulate people. On essaie de manipuler les gens. So that they stay submitted to us. Afin qu'ils puissent nous être soumis. Because I have the power to help you. Parce que j'ai la puissance de t'aider. That's not the gospel. Ce n'est pas l'évangile. It's not the gospel. Ce n'est pas l'évangile. On est appelé à la liberté. We're called to be free. I have seen. Et j'ai vu. Something that really upset me. I don't know what I'm talking about this, but I am going to talk about. Quelque chose qui m'a vraiment énervé. Something that really got me stirred up in the spirit. Quelque chose qui m'a vraiment agité dans l'esprit. It was a service. C'était une réunion. Somewhere. Quelque part. In this country, also to say large. Pour rester large dans ce pays. And the preacher would say. Et le prédicateur disait. Who wants to get married? Qui veut se marier? Une centaine de femmes. Hundreds of women raising their hands. Je vais te donner un mari. I'm going to give you a husband. Et tous les sœurs. Oh Seigneur. And all the sisters were like, thank you Jesus, thank you Jesus. And this my wife, he would point to her and say, come here. And it was, et donc il. He would say to a woman, come here. Il dit à cette femme, viens ici. This is my wife. Donc ça c'est mon épouse. It's done. C'est fait. And that went on for hours. Et pendant des heures, ils ont continué à faire cela. Is that the gospel? Est-ce que c'est l'évangile? That's manipulation. Ça c'est la manipulation. We're very open to that. Mais nous sommes ouverts à ce genre de choses. That's people that live their life from the position of warfare. Et ce sont des gens qui ont vécu leur vie dans un positionnement de combat spirituel. And it's a miserable Christian life. Et c'est une vie chrétienne misérable. Because we chase after ministries. Parce que nous courons après les prédicateurs. We chase after devils. Oui, nous courons après les diables. Tout le monde est un diable. Everybody has a devil. Chaque chose qui se passe dans ma vie vient des mauvais esprits. Everything that happens in my life comes from bad spirits. Mais la pluie tombe sur les justes et les injustes. But the rains don't fall on just and the unright. Right and wrong man. Rain falls on the just and the unjust. La pluie tombe sur les justes et l'injuste. Everything is a battle. Toute chose est un combat. And imagine this.
Imaginez cela. Close your eyes for a moment. Fermez vos yeux pour un instant. Jésus qui est à la croix. Jesus on the cross. Qui étend ses bras. Stretching his arms. Son corps complètement déformé. And his body completely deformed. Son visage irréconnaissable. You cannot even recognize his face. Partout il y a du sang qui coule. There is blood from everywhere. Il y a de l'eau qui jaillit de son corps. There is even water coming out of his body. Il est en train de souffrir à la croix. He's suffering on the cross. Lui, il fait une bataille. He's doing a fight. Lui, il a fait une bataille. He did a fight, a warfare. Il a fait un combat spirituel. A warfare. Mais il a prononcé trois mots. But he said three words. It is finished. C'est accompli. Il a fait un combat spirituel. Mais il a achevé le combat spirituel. Quand il a dit, c'est accompli. Said, it is finished. Ah oui, imagine that Jesus on the cross saying it is finished. Et imaginez Jésus sur la croix disant c'est accompli. And here you are trying to finish it yourself. Et vous voici ici aujourd'hui en train d'essayer de finir ce combat. Fighting, fighting, fighting. Combattant, combattant, combattant. And never learn to start walking in faith. En n'apprenant jamais à marcher par la foi. So we fight out of fear. Parce que nous combattons par de peur. We call it faith, but it's not faith, it's fear. Nous appelons cela la foi, mais ce n'est pas la foi, c'est de la peur. John 10:10 says. Jean 10:10 nous dit. The thief cometh not, but for to steal, to kill, and to destroy. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Okay, I'm going to take my position and I'm going to make sure he does not steal. Je vais me positionner d'une certaine manière afin qu'il ne puisse pas dérober, ni égorger et détruire. Ah, diable, tu ne vas pas voler. Non, tu ne vas pas tuer. Je te chasse au nom de Jésus. I rebuke in the name of Jesus. You're not going to kill me. You're not going to destroy me. But what about the second part? Mais qu'en est-il de la deuxième partie du verset? I am come. Moi, je suis venu. That you may have life. Afin que tu puisses avoir la vie. And have it more abundantly. Et d'avoir la vie éternelle, abondante, dans l'abondance. He did not say, I am come so that you can fight and make sure that you don't get destroyed. Et il n'est pas dit que je suis venu afin que vous puissiez continuer à combattre afin que vous ne soyez pas détruits. He said, I'm come. Moi, je suis venu. To give you life. Pour vous donner la vie. And more abundant life. Et pour qu'elle soit en abondance. So what should my position be then? Que devrait être ma position? Is this helping somebody or not? Est-ce que cela aide quelqu'un? What should my position be then? Quelle devrait être ma position? My position should be one of victory. Je devrais avoir une position de victoire. A position of the finished work of Christ. Une position qui montre l'œuvre finie de Christ. Et c'est là où on va maturer. And it's there where we need to mature. On est en Christ. We are in Christ. Ma position. My position. Tout le monde dit prend position. Everybody say take position. Tout le monde dit position 1, 2. Je prends position 2. Pas position de défense. Not a defense position. Mais la position de quelqu'un qui est complet en Christ. But a position that means that I'm complete in Christ. C'est pas arrogance. It's not being proud. C'est pas fierté. It's not being proud. C'est une révélation qui tu es en Christ. But it's a revelation of who you are in Christ. Ça demande la foi. It has faith. I don't need faith. Je n'ai pas besoin de foi. To chase devils. Pour chasser les diables. Fear will do it. La peur le fera. Night in my on my knees praying, oh God, oh God, oh God. Nous en prions, Seigneur, Seigneur. If you would believe that Jesus is with you. Si vous croyez que Jésus est avec vous. You would not say, oh God, oh God, oh God. Vous ne pleuriez pas en disant, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. You would say, thank you. En disant merci. That you are with me. Que tu sois avec moi. And that you have taken me through it. Et que tu m'emmènes et que tu vas me laisser combattre, vaincre cela. You see the difference? Voyez-vous la différence? My position changes my prayer. Ma position change ma manière de prier. You gotta write that down, that's good stuff. Vous devez écrire cela parce que c'est bon. My position changes my prayers. Ma position change mes prières. Amen. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Thank you, God. Thank you, God. Merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu. Doesn't the Bible say that all things give thanks? La Bible ne dit pas en toutes choses, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants en toutes choses.
Il est temps qu'on commence à croire la Bible. It's time for us to believe the Bible. Pourquoi on va être reconnaissant en toutes choses? Why do we have to be thankful in everything? Parce qu'il gère toutes choses. Because he's handling everything. Il a un but avec toutes choses. He has a purpose with everything. Donc moi je vais être reconnaissant. So I'm going to be thankful. Parce qu'il va me conduire. Because he's going to lead me. Parce que ses pensées envers moi sont pas méchantes. Because he has a bad thought for me. Parce que je dois vivre ma vie d'une position de victoire en lui. I have to live my life with a position of victory in him. Quelqu'un vient dire amen. Amen. It's not warfare, it's victory. Ce n'est pas un combat spirituel, mais c'est la victoire. I don't face life from a position of defense. Je ne fais pas face à la vie avec une position de défense. I face it from this position. Mais je fais face à la vie par rapport à cette position. He has won it all for me. Il a tout gagné pour moi. Il a tout vaincu pour moi. I'll be very honest with you. Et je serai très honnête avec vous. Before you get excited. Avant même que vous soyez enthousiaste. It is more difficult to live this life than the other position. C'est plus difficile de vivre cette vie que l'autre position. It's more difficult to walk by faith and victory than to walk in fighting and defense. C'est plus difficile de vivre dans la foi et la victoire que dans la défense et dans la peur. Because one is natural. Parce que l'une est c'est notre nature humaine. L'autre est spirituel. And the other is spiritual. Il faut prendre l'élastique et il faut l'élargir. We have to stretch our mind. He has nailed it all to the cross. Il a tout mis sur la croix. En Christ, in Christ, je suis victorieux. I am victorious. Je vis pas ma vie. I don't live my life que je peux devenir un conquérant. So I can be a conqueror. Je vis ma vie. But I live my life afin que Christ peut me transformer. So Christ can change me, shift me. Afin que Christ peut rayonner. So Christ can shine in me. Afin que son image peut être restaurée dans moi. So his image can be restored inside of me. In creation, Adam was made in the image of God. Dans la création, Adam a été fait à l'image de Dieu. Right? He lost the image because of sin. Il a perdu cette image à cause du péché. God lost his image on the earth. Dieu a perdu son image sur la terre. The Bible says he became. Et la Bible nous dit qu'il est devenu. What we were. Ce que nous étions. He became sin. Il est devenu péché. On the cross. Sur la croix. So we can become what he is. Pour devenir ce que lui est. Read Isaiah 52. Lisez Ésaïe 52. La Bible dit que son visage était tellement déformé qu'il n'était plus reconnaissable comme autant de personnes dans le monde. So the Bible says that his face was so deformed that nobody in the world could recognize him. He was so beaten up like nobody else has ever beaten up in the world. Isaiah 52, read. Dans Isaiah 52, fais lire, il a été tellement battu qu'on ne pouvait pas le reconnaître. You know what happened? Vous savez ce qui s'est passé? À la croix, on the cross, son image était effacée. His image was erased. Parce qu'on n'avait pas d'image. Because we didn't have any image. Et il est devenu un non-image. And he became a non-image. Pour qu'on puisse redevenir à son image. For us to become like him and have his image. Amen. His identity was gone. You could not know who he was. Il n'avait plus d'identité. On ne savait pas savoir qui il était. He became like we. Mais il est devenu comme nous. Sin makes you without the image of God. Parce que le péché nous rend comme sans image de Dieu. So that after the third day, donc après le troisième jour, he could restore. Il puisse restaurer what once was lost. Ce qui avait été perdu une fois. You understand? Autrefois. Comprenons-nous cela? You're called to become the image of God. Nous avons été appelés à être l'image de Dieu. What is the image of God? Qu'est-ce qu'est l'image de Dieu? It's an image of freedom and liberty. C'est une image de liberté. It's not warfare. Ce n'est pas le combat spirituel. It's struggle. Ni la lutte. I don't live my life to struggle and barely make it through. Je vis pas ma vie pour lutter et pour presque y arriver. Because I am in Christ, he lives through me. Parce qu'en vivant en Christ, il vit au travers de moi. I am a vessel that he uses to touch this world. Je suis un vase qu'il utilise pour toucher ce monde. Are you still there with me? Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Romans 8:37 says this. Romains 8:37 le dit. We like to quote it. J'aime le réciter. We all like to quote. Nous aimons tous le réciter. In all these things, we are more than conquerors through him that loved us. Romans 8:37. Dans toutes ces choses, on est plus que vainqueurs dans celui qui nous aime. We think that we must conquer. Nous pensons que nous devons vaincre. J'ai déjà dit ça. And I always said that. On pense qu'on va conquérir. We think that we have to conquer. Mais tu ne peux conquérir rien du tout. But you can't conquer nothing. Qu'est-ce que tu peux conquérir? What can you really conquer? Tu peux même pas conquérir toi-même. You cannot even conquer yourself.
Qu'est-ce que tu peux conquérir? What can you conquer? Rien du tout. Nothing. Ta vie. Your life. À lui appartient. It belongs to him. Amen. Tu peux rien conquérir. You can conquer nothing. Sorry. Without him. Ça n'a pas soufflé. You cannot even breathe. Tu es appelé en Christ d'être quelque chose plus qu'un conquérant. You're called in Christ to be more than a conqueror. More than somebody who struggles. Plus que quelqu'un qui lutte. More than somebody who battles wars. Plus que quelqu'un qui fait face à des combats. Because he has conquered. À la guerre. Parce que lui, il a vaincu toute chose. And because he has conquered, you become more than what he has done for you. Parce que lui, il a tout, vaincu toute chose. Tu deviens plus que ce qu'il a vaincu. Tu deviens un fils. You become a son. Et un fils doit rien conquérir. And a son doesn't have to conquer anything. Un fils doit croire et recevoir. A son has to believe and receive. Et ça demande la foi. And that has faith. I must conquer my fears. Oh, je dois vaincre mes peurs. I must conquer my fears. Je dois vaincre mes peurs. No. You need to take the position that says. Tu dois prendre une position qui dit. In Christ. En Christ. I have rest in faith. J'ai le repos dans la foi. I must conquer my lusts. Je dois conquérir mes convoitises. Hello, young man. Jeunes hommes. Older man. Homme plus âgé. Ladies. Les femmes. I must conquer my lusts. Je dois conquérir mes convoitises. How I look at somebody. Comment je regarde les autres. Gotta make sure that I don't look at that girl. Gotta make sure I don't watch pornography. Je dois m'assurer que je ne regarde pas la pornographie ou que je ne regarde pas cette fille ou cet homme. Make sure I don't watch those movies. I gotta conquer this. Je dois m'assurer que je ne regarde pas ces films et je dois vaincre cela. And the more you say I gotta conquer this, the more you fail. Et plus que vous dites je vais vaincre cela, plus vous échouez. There's no honest people today in the house. Il n'y a pas de gens honnêtes dans la maison du Seigneur. The more you say, I must conquer, I must conquer, I must conquer. Plus vous dites, je dois vaincre, je dois vaincre, je dois vaincre. The more you fix your eyes on the thing to be conquered. Plus vous focalisez donc votre attention sur la chose que vous devez vaincre. And you lose sight of the conqueror. Et vous perdez l'attention sur celui qui a tout vaincu. Et donc ton bataille se magnifie. And so your struggle, your fight magnifies itself. Et ton Dieu se diminue. And so your God is diminishing himself. Et donc tu perds chaque fois le combat. And every time you lose the battle. Et tu es là, je dois résister, je dois résister. I have to resist. Et tu trompes. And you fail. Ma position en Christ dit. My position in Christ says. Il m'a libéré. He delivered me. Je ne suis pas un esclave. I'm not a slave. Je suis un fils. But I'm a son. Donc quand ces émotions arrivent. But when those feelings come. Qu'est-ce qu'on dit? What do we say? Je vais commencer à lutter. I'm going to start fighting. Et ça prend 2 minutes et après tu tombes. And after 2 seconds you fall. Quand ces émotions arrivent. But when those feelings come. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Que tu as enlevé cette chaîne de ma vie. Thank you Jesus because you take out this chain of my life. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Que je ne suis pas esclave dans mes émotions. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Que ça me rappelle que je suis un homme. This reminds me that I'm only. Mais je ne vais pas subir ça. But I'm not called to do that. Parce que tu m'as appelé à une vie en liberté. Because you called me to be free. That is not positive thinking. Ce n'est pas une manière de, c'est pas une manière de penser positive. You know, that's not just psychology. That's the gospel. Ce n'est pas la psychologie, c'est l'évangile. He that the Son has set free is free indeed. It is for freedom that he has set us free. C'est pour la liberté qu'il nous a libérés. He died on the cross. Il est mort sur la croix. So you can be free. Afin que nous puissions être libres. Mais je me sens pas libre. But I don't feel like I'm free. I don't care about what you feel. Mais je m'en fous de tes sentiments. The Bible says you're free. La Bible te dit que tu es libre. You're free. Alors tu es libre. Believe it. Tu es délivré. To start having faith in your freedom. Si tu commences à avoir de la foi dans ta liberté. That is found in Christ. Qui se trouve en Christ. Mountains will start moving. Les montagnes vont se déplacer. Amen. We have been fighting the wrong fight. Nous avons combattu le mauvais combat. We need to fight the good fight of. Nous devons combattre. Faith. Le bon combat de la foi. If you want to fight a battle, it's for your faith. Si vous voulez combattre un combat, c'est le combat de votre foi. It's not lust because it's nailed on the cross. Ce n'est pas la combattise car il est sur la croix. It's not fear because it's nailed on the cross. Ce n'est pas la peur car elle se trouve également sur la croix. It's not anger because it's nailed on the cross. Ce n'est pas le fait de se fâcher parce que cela se trouve sur la croix. It's not depression because it's nailed on the cross. Ce n'est pas la dépression car elle se trouve également sur la croix. You're fighting for something that he has conquered. Vous vous battez contre quelque chose qu'il a déjà vaincu.
Depression cannot touch me. La dépression ne peut pas m'atteindre. Come on, church. Lust cannot touch me. La pauvreté ne peut pas m'atteindre. Fear cannot touch me. La peur ne peut pas m'atteindre. Because I am in Christ. Parce que je suis en Christ. I am protected. Je suis protégé. I am loved. Je suis aimé. I am taken care of. On prend soin de moi. I got to believe it. Je dois y croire. Tell your neighbor. Dites à votre voisin. Faith. La foi. Faith. La foi. Not fear. Pas la peur. I must conquer my bad thoughts. Je dois vaincre mes mauvaises pensées. If that's how you think. Si c'est comme ça que vous pensez. You're living your life from the position of warfare. Vous vivez une vie dans le positionnement du combat spirituel. He conquered it. Mais il a tout vaincu. You need to start praying from the position of a son. Mais vous devez commencer à prier comme un fils. Mon fils demande des choses jusqu'au point que je les donne. My son asks me things until I give it to him. Papa. Daddy. Tu veux un jouet. I want a toy. Il commence avec ça. And then he starts like that. Très brutal. And tu veux un jouet. And then he comes back to me like I want a toy. You know, say please. Et moi je lui dis mais attends tu me dis même pas s'il te plaît. Je veux un jouet s'il vous plaît. I want a toy please. And I say no. Et moi je lui dis non. T'as assez de jouets. You already have enough toys. Qu'est-ce qu'il dit? What does it tell me? Ok, ça va, papa, merci. Ok, okay, then, thank you. Non, il change son attitude. Of course, then it comes and changes the way of asking, his way of asking. Mais papa. But daddy. Je comprends pas. You don't understand. Je veux cette chose. I want this toy. Et je sais que tu peux m'acheter. And I know you can buy it for me. Please. Non, vous m'avez donné. Non, tu ne l'auras pas. Maman, c'est dans l'eau. Ensuite, il veut essayer sa mère, mais on lui dit. Ensuite, il commence à négocier. Si je fais ceci, est-ce que tu me donneras ça? Mais il ne lâche pas. But he doesn't stop. He's still on that. Il ne lâche pas jusqu'à son jour. Until he has his toy. Pourquoi on lâche avec notre père? Why don't we do the same with our God? Pourquoi on abandonne tellement vite avec notre Why do we give up all that easily with him? Vous vous approchez devant votre père. You have to come close to him and say, God, merci pour ta liberté. Thank you for your freedom. Merci pour tes dons dans ma vie. Thank you for all the gifts in my life. Merci pour ton esprit en moi. Thank you for your spirit inside of me. Tu vas me changer. You're gonna change me. Je le sais. I know it. Parce que tu m'aimes. Because you love me. Tu vas me délivrer. You're gonna deliver me. Je le sais. I know it. Parce que tu l'as fait à la croix. Because you did it on the cross for me. Tu vas pouvoir pour moi. You're gonna provide for me. Parce que tu es mon père. Because you're my father. Un fils bastard quelque part. And I'm not a bastard son somewhere. Je suis ton propre fils. But I'm your son. Tu vas pour moi. You're gonna provide for me. Parce que tu es mon père. Because you are my father. My position changes my prayers. Ma position change mes prières. Amen. We gotta know who we are. Et nous devons savoir qui il est. Somebody say amen. Que quelqu'un dit amen. When I start doing this. Et lorsque je commence à faire ceci. Self starts to disappear. Le moi va commencer à disparaître. And isn't that wonderful? N'est-ce pas merveilleux? And wouldn't it be wonderful if self put on the shelf? Et si on pouvait mettre notre moi sur l'étagère? Ça ne va pas. Ça ne va pas en français. You gotta find something. Le moi dans le bon endroit. We gotta put ourselves away. Nous devons nous mettre de côté. Because self is not important. Parce que le moi, nous ne sommes pas importants. Self stands in the way of faith. Parce que cela se tient dans le chemin, en train le chemin de la foi. When I take my position, et lorsque je prends ma position in Christ, en Christ, faith comes. La foi vient. And I start to grow in faith. Et je commence à grandir dans la foi. And when I start growing in faith, et je commence à grandir dans la foi. Et ensuite, les miracles viennent. Mountains are being moved. Les montagnes se déplacent. All of a sudden, I'm seeing the great things that I've been praying for so long. Et ensuite, tu commences à voir toutes les choses que j'ai priées pendant tant d'années. Because I'm not walking life anymore from fear, but I'm now walking it by faith. Parce que je ne marche pas sur la peur, mais je marche par la foi.
Je l'ai appelé foi pendant 20 ans, mais peut-être c'était la crainte. I called it faith for 20 years, but maybe it was fear. Peut-être c'était pas une foi accomplie et saine dans maybe le Seigneur. It wasn't an accomplished faith in the Lord. Peut-être c'était une foi couverte avec beaucoup de crainte. Maybe it was a faith covered with a lot of fear. Crainte qui dit, fear that said, mais quoi si ça ne arrive pas? You believe even when it doesn't happen. What if that happens? Que se passe-t-il si cela se produit? What if this happens? Ou si se passe, si ceci se passe? Oh God. Oh Dieu, oh Dieu. In Christ, I say, no matter what happens. En Christ, je dis, peu importe ce qui se passe. You will lead me. Tu me guides. Amen. You will get me to where I need to go. Tu m'emmèneras là où je dois me rendre. Whatever happens. Peu importe ce qui se passe. It will be for my good. Ce sera pour mon bien. Because that's the promise I have. Parce que c'est la promesse que j'ai. That gives me faith. Cela me donne la foi. That gives me peace. Cela me donne la paix. That gives me a boldness to say mountain, remove. Et c'est, cela me donne une audace, l'audace de dire une montagne, ôte-toi de là. Tu n'appartiens pas à ma vie. You don't belong in my life. Le Seigneur t'a pas mis là. Jesus didn't put you there. Go. Va-t'en. I hope this is helping someone. J'espère que ceci aide quelqu'un. It is helping me. En tout cas, cela m'aide. It's helping me. How? Nowhere near finished. Je suis loin d'en finir. When faith comes in, et lorsque la foi survient, mountains move. Les montagnes bougent, se déplacent. You still believe that scripture? Croyez-vous toujours en cette écriture? If you believe, si vous croyez, you can speak to this mountain, vous pouvez parler à cette montagne, and it shall be removed. Et elle se déplacera. But I've spoken to so many mountains and none of them moved. Mais j'ai parlé à tellement de montagnes, aucune d'entre elles n'a bougé. Fear. La peur. You let your experience dictate what the Word of God says. Vous laissez vos expériences dicter ce que remettre en question la parole de Dieu. Speak it. Proclamez-le. Until you see it. Jusqu'à ce que vous le voyez. Because he said, if you speak to the mountain, it shall be removed. Parce qu'il le dit également, si tu proclames, tu parles à la montagne, elle se déplacera. Isn't that what it says? Ce n'est pas ce qu'il est écrit? Amen. Amen. So let's believe it. Nous croyons en cela. Let's speak it. Proclamons-le. If it doesn't move, speak again. Si cela ne bouge pas, proclamez-le encore. If it doesn't move, speak again. Si cela ne se produit pas, proclamez-le encore. And if you don't feel God, then say, Lord, I thank you for the scripture, but it gave me authority to speak to the mountain. Mais si vous ne le ressentez pas, vous dites, Seigneur, merci pour la parole et donne-moi l'autorité pour parler à cette montagne. Everything is finished. Tout a été accompli. Somebody say, finished. Quelqu'un dit, accompli. Stop looking at what you have done. Et arrêtez de regarder ce que vous avez fait. Look at what he has done. Mais regardez ce qu'il a fait. Stop looking at what you can do. Arrêtez de regarder ce que vous pouvez faire. You know, je vais dire une phrase et ça va énerver certains. Et I'm going to say something that might upset some of you. Tu es prêt pour être énervé? Are you ready to be upset against your pastor? Certains d'entre nous, some of us, vont arrêter à prier. You have to stop praying. Commencer à croire. But we have to start believing. Amen. Amen. On est poussé par un sentiment de guilt. Let's, I need to pray enough so I can see a little bit of God. On est poussé par un sentiment de culpabilité. Je dois prier pour que je puisse recevoir plus de Dieu. Yes, done it all. Mais il a tout accompli. Croyez simplement. Pray. Priez. Believe. Et croyez. Amen. Pray. Priez. Believe. Croyez. Amen. You gave me a promise. Tu m'as donné une promesse. I believe. J'y crois. Amen. I am bound. Je suis lié. No, I'm not. Non, je ne le suis pas. Actually, free. Parce que je suis libre. Je dois commencer à penser différemment. I have to start thinking another way. Ordinateur. Computer. Je ne suis pas lié à toi. I'm not bound to you. Je suis lié à Jésus. But I'm bound to Jesus. Petite copine. Girlfriend. Ah, mais je ne suis pas lié à toi. I'm not bound to you. Je suis lié à Jésus. But I'm bound to Jesus. Alcool. School.
Alcohol. School of Bounty until I'm 18 and then I'll go. Je suis lié à l'école jusqu'à ce que j'ai 18 ans et puis après je choisis mon chemin. It's just a strong man time. Slow. Alcohol. Alcool. I am not bound to the bottle. Je ne suis pas lié à cette bouteille. Mais je suis lié au Père. Faith it. Croyez-y. Don't fake it. Donc mettez de la foi dedans. Ne faites pas semblant. Faites pas semblant. Don't fake it. Faites pas semblant avec le Seigneur. Don't fake it with the Lord. Un jour je serai libre. One day I'll be free. Yes. Un jour tu seras libre. One day you'll be free. Si tu es en Christ, tu es libre. If you are in Christ, you will be free. Tu vois la crainte de nouveau. You see, fear all over again. Un jour il va le faire. One day he's gonna do it. Il l'a déjà fait. You already did it. Tu vas juste le voir. I just have to see it. Foi, faith, pas la crainte. No fear. On prend la foi pour les choses qu'on espère. We take faith for everything we hope for. Espérance a un peu de crainte dedans. And we put a little bit of fear inside of this hope. Foi, c'est être sûr. But it's the assurance. Je suis sûr. I know it. Je suis sûr. I have the assurance of it. Sure. I have faith in it. Il y a de la foi dedans. You know what happens? I can go on for 2 hours. When we start thinking like this, church. Et quand nous commençons à penser comme cela, Église. Christ. Nos yeux get off of men. Se retirent de l'homme. And they are put back on where they're supposed to be, and that's Jesus. Et ils se repositionnent là où ils devaient toujours être, là Jésus Christ. Stand. Levez-vous avec moi. I was going to speak about sozo. Sozo is the Greek word for save. J'allais parler de être libre. No, being saved. Être sauvé, le salut. I'll do it next week. J'en parlerai la semaine prochaine. When I understand this, if you could dim the lights for a moment. When I understand this, c'est ce que je comprends. When I understand it, ce que je comprends. I will start seeing the miracles of God. Quand je commence à comprendre ceci, je commence à voir les miracles de Dieu. Since when, church? Give me 10 more minutes, please. Donnez-moi encore 10 minutes. I'm going to conclude it all, don't worry. Je vais tout conclure. I have a burden that's heavy on my heart. J'ai un fardeau qui est lourd dans mon cœur. You gotta change the way we look at Jesus. Lorsque nous regardons Jésus différemment, change the way we look at him. Nous devons le regarder différemment. Stop being driven. Nous devons arrêter d'être guidés by duty. Par le devoir. Start being led by faith. Mais être dirigé par notre foi. Stop being led by fear. Arrêtons d'être dirigé par la peur. Why did we sing that song? I didn't know my wife was going to choose those songs. I never know what songs she's going to choose. Donc pourquoi vous nous chantez ces chansons et entre parenthèses, je ne sais pas tous les chants qu'elle choisit. Never know. Je ne sais, je suis jamais au courant des chants. Parfois je sais. Mais pas aujourd'hui. No longer a slave of fear. Je ne suis plus un esclave de peur, de la peur. God wants to tell us something. Dieu essaie de nous dire quelque chose. Stop calling your fear faith. Arrêtez d'appeler votre peur foi. Start resting in His goodness. Et commencez à vous reposer dans sa bonté. Start resting in His love for you. Commencez à vous reposer dans l'amour qu'il a pour vous. Start resting in His goodness for you and your life. Commencez à vous reposer dans la bonté qu'il a pour vous et votre vie. Stop wrestling for things that He has conquered. Et arrêtez de vous battre avec des choses qu'il a déjà vaincues. And fight the fight for your faith. Et combattez le combat pour votre foi. Do you feel what I'm trying to tell you? Comprenez-vous, ressentez-vous ce que j'essaie de vous dire? The gospel, l'évangile, is not a series of methods. Ce n'est pas une série d'agissements. And a list of promises. Et une liste de promesses. That serve our needs. Qui nous aide lorsque nous avons besoin. And that fulfill our desires. Et qui accomplit tous nos désirs. Since when have we treated Jesus? Depuis quand avons-nous commencé à traiter Jésus? As our psychologist. Comme s'il était notre psychologue. Where we run to. Vers lequel nous allons. When we are not feeling good. Lorsque nous ne sentons pas bien. When we're not getting our
out of this life what we need to get out of. Lorsque nous ne recevons pas de cette vie ce que nous devrions recevoir. This gospel is not about you. Mais cet évangile n'est pas à ton sujet. Nor your success. Ni ton succès. Nor your health. Ou ta santé. It's about his glory. Mais c'est sa gloire. It's about him. C'est tout à ton sujet. And his love for you. Et son amour qu'il a pour toi. For God so loved the world. Dieu a tant aimé le monde. That he gave his son. Qu'il a donné son fils. That if you would believe in him, you would not die, but you would be saved. Lui, tu ne mourras pas, mais tu seras sauvé. What does the word save mean? Pourquoi le que veut dire le mot sauver? Just don't mean that you go to heaven one day. Cela ne signifie pas simplement que tu iras dans les cieux un jour. And live your life here in fear. Et vivant ta vie ici dans la peur, dans la crainte. Save means to be healed. Mais le salut nous signifie la guérison. Delivered. Délivré. Restored. Restauré. And be made whole. Et être renouvelé. He came to heal you. Il est venu te guérir, restore you, te restaurer, deliver you, te délivrer, and make you whole, et te faire entier et guérir. It is God's will to heal you. C'est sa volonté, sa volonté de Dieu de te guérir. It is God's will to deliver you. C'est la volonté de Dieu de te délivrer. If you have pain in your body, si tu as une douleur quelconque dans ton corps, God's love for you says I want to take it out. C'est l'amour de Dieu pour toi dit je veux retirer cette douleur. How many of you have pain in your body right now? D'entre vous avez souffré, avez des douleurs dans votre corps. Is sickness in your body? Une maladie dans votre corps. Lift your hand. Élevez votre main. Can I ask you a question? Est-ce que je peux vous poser une question? If Jesus would be here right now, si Jésus était présent maintenant, what would he do? Que ferait-il? What would he do? Que ferait-il? Would he walk by you, sit on the platform? Est-ce qu'il passerait et ne vous saluerait pas et s'asseoir simplement sur? And say, have church. Ayez simplement église. Maintenant tu peux avoir l'offrande. Now we can have offering. He would look at you. Il te regarderait. And say, Brother Gabriel. En disant, Frère Gabriel. You have pain. Tu as une douleur. Do you believe I can take your pain away? Crois-tu que je puisse te retirer cette douleur? He would never say to Jesus, No, I don't believe in you. Say yes, Lord. Tu dirais jamais au Seigneur, non, je ne crois pas, tu puisses retirer ma douleur. He would say, Go. Et il dirait, douleur, ôte-toi de ce corps. And it would be gone. Et ce serait fini. And you know what he would do then? He would start preaching the gospel. Il commencerait à enseigner, à prêcher l'évangile. He would say, I manifested my love. Now I want to show you the kingdom of God. J'ai manifesté mon amour. Maintenant, je vais vous montrer le royaume des cieux. Guess what? Devinez. Is quoi? Jesus here? Est-ce que Jésus est ici? If he's here, then why are you afraid? S'il est ici, pourquoi avez-vous peur? He's in you. Il est en vous. He's in you. Il est en vous. Faith. La foi. You see how it opens up a whole new perspective. Avez-vous comment cela ouvre une toute nouvelle perspective? Instead of saying, oh God, please, just let somebody pray for me, let somebody pray for me. Au lieu de dire, oh Dieu, Dieu, que quelqu'un prie pour moi, que quelqu'un prie pour moi. And so we put our faith in the minister with the nice suit and the big name. Ensuite, nous mettons notre foi dans le prédicateur qui a un beau costume et un très grand nom. Qui a aucune puissance. But has no power. Aucune. No power. Notre foi est dans les hommes. And our faith is in men. And not in Jesus. What I want you to do in just a moment. Est-ce que j'aimerais que vous fassiez dans un instant? I want you to minister to each other. J'aimerais que vous priez les uns pour les autres. Don't keep track of time, mais ne vous inquiétez pas, je veille sur le temps. I want you to minister to each other. J'aimerais que vous priez les uns pour les autres. With this in mind. Avec ceci dans vos pensées. Who you are in Christ. Qui êtes-vous en Christ? Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. Foi. J'ai pas dit qu'il faut avoir foi dans tes prières. I never said you have to have faith in your prayers. Certains d'entre nous ont beaucoup de foi dans nos prières. And a lot of us, we have a lot of faith in our prayers. Mais pas celui de moi. But not in the one who responds well on our prayers. Je suis un guerrier de prière. I'm a warrior in prayer. Stop having faith in prayer. Stop having. Arrêtez d'avoir de la foi en prière. Start having faith in Jesus. Mais commencez à avoir de la foi en Jésus. Don't put your faith in a hand that will touch you in just a moment. Ne commencez pas à avoir de la foi dans la main qui vous touchera dans un instant. When you pray for somebody, lorsque vous priez pour quelqu'un, don't say God, you're going to use them. Seigneur, utilise-moi. Because then you're going to have faith in yourself. Ensuite, vous aurez beaucoup trop de foi en vous-même. So what do I need to say? Mais Dieu.
God, you love brother André so much. Mais Dieu qui aime frère André tellement. That you want to touch him. Que tu peux le toucher aujourd'hui. That you want to heal him. Que tu veux le guérir aujourd'hui. That you want to manifest yourself to him. Que tu veux te manifester au travers de lui. I cannot do it. Je ne peux pas le faire, Seigneur. I have no power. Je n'ai aucune puissance, Seigneur. I just believe. Mais je crois simplement dans ta bonne parole. Et ta parole dit, il va guérir les malades. In my name. En mon nom. In my name. En mon nom. Tu seras guéri. Si je dépose ma main sur toi. I'm not putting trust in. I'm the pastor. I have some super authority. Because I do this right now, something's gonna happen. Je ne mets pas de puissance sur le pasteur, c'est une autorité suprême. I lay my hands on him because I believe that God wants to touch him. Mais je mets ma main sur lui parce que je sais et je crois que le Seigneur va le toucher. My faith is not in me nor in his faith. My faith is in Jesus Christ. Ma foi ne se trouve ni en lui ni en moi, mais en Jésus Christ. And I don't need to prove anything. Et je ne dois rien prouver du tout. Arrête de make quelque chose. Stop trying to prove anything. We're all trying too hard. Nous essayons trop dur. Let Jesus do it. Mais laissons Jésus le faire. Just believe. Croyez simplement. In your body, brother? Vous avez une douleur. What do you have? As-tu une douleur dans ton corps? In your knee? Dans ton genou. You feel it right now? Tu le sens maintenant cette douleur? Yeah, is this okay? Est-ce que c'est okay? Some of you are thinking, oh, if the pain now don't go away, this is gonna look embarrassing. Certains d'entre vous vous dites, ah, maintenant si la douleur ne s'en va pas, ça va être très embarrassant. That's fear. Ça c'est la peur. I'm not God. Je ne suis pas Dieu. I'm just trying to do what he calls me. Mais je fais simplement ce qu'il m'appelle à faire. You feel that pain right now? Est-ce que tu sens cette douleur maintenant? Yes. I'm going to pray for you. Je vais prier pour toi. You believe Jesus can take away the pain? Est-ce que tu crois que Jésus peut retirer tes douleurs? Would Jesus take the pain away if he would stand you? Est-ce que Jésus peut retirer la douleur de ton genou? Yes, he would. Yes, oui. Si ce tenait là, Jésus retirait la douleur de ton genou. Et je vais prier pour ton genou et Jésus va retirer cette douleur. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus Christ. Je demande à cette douleur de sortir de ce corps. Afin que la guérison puisse couler sur la vie. Au nom de Jésus. Sens-tu la douleur moins ou est-ce que c'est la même chose pour toi? Be honest. C'est moi. Be honest, I want it to be gone. Sois honnête parce que moi je veux qu'elle parte complètement. Amen. Faut pas me mentir, tu vas pas blesser mes sentiments. You don't have to lie to me because you don't want to hurt my feelings. Je peux même pas guérir une grippe d'une mouche. I cannot even heal a flu from a bug. I can't even heal a headache from a fly. Je ne peux pas guérir la grippe d'une mouche. Mais je connais un qui sait. And I'm not trying to prove myself, but just for Jesus to do what he said he would do. Je ne sais pas de prouver quoi que ce soit, mais je veux montrer à Jésus ce que je veux faire. Jesus, Seigneur Jésus, show your love to brother André. Montre ton amour à frère André. By taking away the pain in his knee. En sortant cette douleur de son corps. I thank you for that, Lord. Je te remercie, Seigneur. I thank you for that healing that flows through his knee right now. Je te remercie pour la guérison qui coule dans son corps. Let the strain go away. Seigneur, let the swelling go away. And let him be completely healed. In Jesus' name. Amen. Yes, a little bit. You move a little bit there. Yes. Yes. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Can we give God thanks for that? Amen.